Petite vidéo rapide de matin. Bienvenue sur Live Aki avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir pour ceux qui visent cette vidéo. Abonnez-vous, partagez la vidéo. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Alors ce matin, je viens faire cette petite vidéo pour vous confirmer encore une fois de plus ce que nous disions sur les réseaux sociaux avec Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, le nouveau prophète. On sait que c'est un nouveau prophète, hein? Le nouveau prophète du RHDP. Alors, le titre de cette vidéo est Chantage de Johnny Pacheco au RHDP, 1500 euros pour une vidéo. Selon Cissé, Johnny Pacheco fait un chantage à la représentation du RHDP en France. Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous dire les déboires de Johnny Pacheco, exposé Johnny Pacheco. Lorsque nous disions que Johnny Pacheco est corrompu, vous, les gens du RHDP, vous ne nous croyez pas. Alors, en premier, c'est que un des représentants du RHDP dévoile les prestations de Johnny Pacheco sur les réseaux sociaux. Un, il refuse les tablettes que le RHDP a offert. Nous avons appris, nous aurons appris que le RHDP offre des tablettes et des portables à c'est-à-dire ses adeptes, ses followers, ceux qui font leur atalakou sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que Johnny Pacheco a refusé les tablettes que le RHDP lui a offertes et a réclamé 6 000 euros. Et cette somme, il s'est avéré que Johnny Pacheco les a reçues, disant qu'il allait payer un ordinateur commode à lui et un portable. Il faut savoir que Johnny Pacheco reçoit et réclame 1500 euros par vidéo et 600 euros par poste, c'est-à-dire poste sur Facebook ou sur le Instagram, etc. pour le RHDP. Il faut savoir que pour la vidéo de Ibra, c'est-à-dire Ibra, celui qui a été tabassé par les gardes du corps de monsieur, vous le connaissez, le Yankee du RHDP. Johnny Pacheco a fait une vidéo à 1500, à 1000 euros et cette vidéo était une vidéo juste laconique pour le RHDP. Il faut savoir que les cadres du RHDP préfèrent les personnes comme Johnny Pacheco. Mais ceux-mêmes qui se saignent pour le RHDP, les membres ou les cadres du RHDP ne font vraiment rien pour eux. Donc, voyez comme une fois, ce parti est corrompu. Et spécialement, Johnny Pacheco en tête. Je vous remercie dans cette vidéo et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.